regard, c'est souvent la première image qu'on garde. C'est la première sensation qu'on a d'une ville. Et donc, nous, on voulait que pour les Nantais, mais pour celles et ceux aussi qui viennent découvrir notre ville, cette première image, elle raconte la douceur de vivre à la nantaise. Les objectifs étaient très clairs, avoir un espace qui soit accessible à tous, d'avoir une place plus forte donnée à la nature en ville. C'est 4000 m² de béton en moins et 4000 m² en plus de données au végétal. L'ancien parvis de la gare était très déprécié et n'était pas du tout à la hauteur d'une arrivée sur Nantes pour les voyageurs, pour les visiteurs. C'était très routier, beaucoup de confusion. Donc la commande était « faites-nous sortir le jardin des plantes de ses murs, essayez de gommer un peu les limites, qu'on ait l'impression vraiment qu'il se rapproche de la ville ». Donc on a eu l'occasion de faire de véritables éclats botaniques, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont 7 jardins qui sont posés sur la place. Ils ont des formes tendues et arrondies, qui sont complètement inspirés des tracés du jardin des plantes. Il y a aussi plus de 140 mètres linéaires de bancs qui ont été mis et qui en font le pourtour. Avant, il n'y avait pas de bancs hein, sur la place, donc ça devient très très agréable. On arrive, on prend le tramway, on facilite les transports et tout, les vélos aussi, enfin bon, on est... Franchement, c'était... fallait le faire. Personnellement, je le trouve beaucoup mieux que l'ancien. C'est beaucoup plus ouvert sur le jardin des plantes, donc ça donne une impression beaucoup plus de verdure. On voit vite qu'on peut faire des parvis comme le parvis de la gare de Nantes, mais que ce soit roulable, sans avoir aucun problème de cheminement et aucune difficulté suivant le handicap qu'on a. Le canal Saint-Félix, c'était vraiment ce qu'on appelle un délaissé hein, de ville. Et on le voit aujourd'hui, on a créé un éclat, ce qu'on appelle l'éclat du canal, hein, c'est le dernier éclat, qui permet aux gens de profiter de l'eau. Et on en a fait un théâtre sur l'eau et je pense que petit à petit, avec les années, ça va devenir un lieu intéressant. Je dirais que c'est un des maillons essentiels de la promenade nantaise. Et la promenade nantaise, c'est quoi? C'est la reconquête du lit de la Loire au profit, en effet, du piéton. Et puis ensuite, vous êtes tout proche du château des Ducs et donc de son miroir d'eau et donc de l'hypercentre commercial. Tous les voyageurs, grâce à la nouvelle passerelle dessinée par Rudy Ricciotti, vont avoir une porte d'entrée sur la ville.